Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. De base, je voulais vous faire tout ce que je n'aimais pas en équitation, mais ça revenait un peu dans les choses. Par exemple, j'aime pas trop l'hiver, les carrières qui sont mouillées, les pieds des chevaux qui reviennent dans les paddocks tout plein de boue, plein de choses comme ça. Mais au final, je me suis dit que j'allais diviser du coup en plusieurs catégories, faire une catégorie ce que je n'aime pas dans le matériel, donc ça vous l'aurez prochainement, ainsi que du coup les types de cavaliers que je n'aime pas en équitation. Mais voilà, on va pas dire la personne qui prend pas soin de son cheval, tout ça tout ça. C'est vraiment axé, on va dire, sur la tête des cavaliers, leur mental, leur comportement. J'ai fait 3 rubriques où je vais essayer d'aller assez vite puisque je sais que je pourrais en parler des heures de ces personnes-là, on va se dire. Donc la première, ça va être tout ce qui est des critiques. Alors, ce que je n'aime pas dans les cavaliers qui critiquent, ça va être les critiques non constructives. Les critiques pour le plaisir, en fait, juste histoire de dire quelque chose de négatif. Donc si je regarde, c'est parce que j'ai tout noté sur mon petit, sur ma petite feuille. Ceux qui critiquent pour pouvoir se mettre plus haut, en fait, rabaisser les autres pour s'élever en quelque sorte. Et ceux où c'est simplement pour rabaisser les autres. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Et j'ai l'impression que depuis que TikTok s'est développé, il n'y a que ça sur YouTube, des gens qui ne font que de critiquer. Et c'est quelque chose qui... Voilà, par exemple, une personne qui a un galop 2, il y a plein de types de galop 2. La personne qui vient juste d'avoir son galop 2 ou la personne qui a un galop 2 depuis par exemple un an et qui s'apprête à passer galop 3. Pour le coup, c'est pas le même niveau en quelque sorte. Et voilà, c'est quelque chose qui m'énerve, les personnes qui vont critiquer pour toutes ces raisons-là. On peut critiquer, hein, ça peut être de la critique constructive, ou alors ça peut être de la critique personnelle. Moi, ce que j'appelle personnelle, c'est-à-dire notamment lorsque je suis en concours, lors tout ça, j'adore décrypter le passage des autres, des cavaliers que je ne connais absolument pas. Mais bien sûr, je ne critique pas à voix haute, ou alors si je suis avec une copine, on le fait en chuchotant. En fait, les autres n'ont pas besoin de l'entendre puisque c'est pas une critique contre la personne, mais par exemple je vais dire ah bah tiens, oh là là, elle tire beaucoup dans les tournants. Au bout d'un moment, si elle lâche devant l'obstacle, ça va faire une barre, et par exemple deux obstacles après, il y a la barre. Mais moi, je veux dire, c'est généralement, je le fais dans ma tête, je le garde pour moi parce que ça me permet d'en apprendre un peu plus sur l'équitation. Je trouve que voir le défaut des autres est l'une des meilleures façons pour soi-même progresser. C'est-à-dire, voir le défaut, c'est des personnes qui sont souvent ont les mêmes défauts que moi. Donc voilà, ça me permet du coup d'apprendre par rapport à ça. Mais voilà, la personne n'a pas à savoir du coup ce que j'ai pensé, hein, parce que surtout quand c'est les mêmes défauts que moi, que je lui dise, c'est bien, elle en retour, elle peut exactement me dire la même chose. Mais voilà, les personnes qui le font haut et fort et qui, on sait quand t'es au bord de, enfin quand t'es dans la carrière, que la personne au bord de la carrière te juge vraiment négativement, ou alors qui va parler à d'autres personnes, voilà, pour les rabaisser. Ah, oh, t'as vu, elle, le défaut qu'elle a, elle tire tout le temps, c'est normal qu'elle tombe, c'est normal, tu vois. Ça, c'est quelque chose de vraiment négatif. Et aussi, j'ai vu qu'il y en a beaucoup, et ça, je trouve ça, je ne comprends pas, les personnes qui du coup vont critiquer des galops plus petits. Bah, c'est normal que ce que je veux dire, imagine, toi, tu as un galop 5. Et il y a quelqu'un d'autre, tu regardes un cours de galop 2. C'est normal que la galop 2 fasse des grosses fautes pour toi, que tu as l'impression que ce soit des grosses fautes. Galop 2, galop 5, vous n'avez pas du tout le même niveau. Toi, à ce niveau-là, tu faisais sans doute les mêmes erreurs. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, les gens qui rabaissent les gens qui ont un plus petit niveau. À la limite, place-toi avec des gens qui ont le même niveau que toi, voire supérieur. Mais de critiquer des gens qui ont un plus petit niveau, là, pour le coup, je ne comprends pas. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie.
les personnes qui sont parfaites, c'est-à-dire qui savent tout, qui ont tout vu, tout vécu, qui n'acceptent surtout pas les remarques. Et là, par rapport à ça, je fais une petite différence entre les critiques et les remarques. La critique, c'est une sorte de dévalorisation, qui soit vraiment négative ou pas négative, mais en fait, on met le doigt du coup sur quelque chose qui doit être amélioré en fait. Alors que pour moi, une remarque, vraiment, ça peut être une remarque, un truc tout bête. Par exemple, attention, ton cheval est à faux. C'est pas une critique, ça m'arrive encore, galop 6, de faire des départs au galop à faux, pour X ou Y raison. Des fois, tu te rends compte, et si tu te rends pas compte, t'es bien content que quelqu'un à côté te le dise. Et voilà, c'est le genre de remarque, c'est pas forcément positif, pas forcément négatif, c'est juste que là, à l'instant T, je te fais une remarque. Par exemple, dernièrement, en concours, j'ai été, juste avant d'aller à la détente, donc j'avais mis ma bombe, j'avais fait tout ça, mais comme j'avais monté en vitesse, j'avais oublié d'attacher, du coup, la jugulaire, je crois qu'on appelle comme ça, de ma bombe. Je passe devant une cavalière me dit « Oh, attention, t'as pas fermé ta bombe !» Voilà, c'est un truc tout bête. Moi, j'ai réagi en disant « Ah bah merci !» Parce que pour le coup, je m'étais pas rendu compte. Je sais que pas mal de personnes auraient été capables de dire « Bah je sais !» ou « Bah c'est normal !» Alors que non, ça arrive à tout le monde du coup de pas s'en rendre compte. Heureusement que du coup, quelqu'un me l'a dit avant de la détente. Mais voilà, c'est quelque chose, les remarques, la plupart des remarques ne sont pas négatives. Et puis même si c'est négatif, il n'y a pas à ne pas vouloir les recevoir. Après, bon, ça, faut pas que ce soit méchant. Hein, ça, quand c'est méchant, je suis d'accord, on ne les reçoit pas. Mais voilà, donc les « je sais tout »,« j'ai tout vu », »,« j'ai tout vécu », bah malheureusement, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus sur TikTok, moins sur Instagram et sur YouTube, puisque je trouve que on peut, comme bah, y a des vidéos, il y a beaucoup de photos sur Instagram, on peut pas forcément cacher le niveau qu'on a, alors que sur TikTok, c'est des vidéos vraiment très courtes, et c'est moins... je sais pas comment dire, mais par rapport à Instagram, on suit vraiment la personne, alors que sur TikTok, généralement, on passe, et on passe rarement sur plusieurs fois le même compte. Donc c'est très facile de faire croire qu'on a tout vu, qu'on a tout vécu, alors que ça se trouve, les personnes, ils ont un galop 2. J'ai rien contre les personnes qui ont un galop 2, mais dans ces cas-là, va pas dire que tu as tout vu, tout vécu, tout... Il y en a plein des fois, ils rencontrent des problèmes avec leurs chevaux, et ils vont demander des conseils ou des choses comme ça. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que ça part d'une bonne intention, hein, mais c'est des débutants ou des tout petits niveaux qui disent ça puisqu'ils ont entendu de ceci, de cela. Et le problème, bah, bien souvent, c'est que ça ne fonctionne pas. Et quand on leur dit gentiment, par exemple, « Non, j'ai déjà essayé » ou quelque chose comme ça, ils te massacrent. J'ai l'impression que c'est ça le pire, qui donne des conseils à la rigueur, mais qui te massacre quand on dit, par exemple, « Non, ce n'est pas possible ». Voilà, juste, voilà. Et du coup, dernière catégorie, ça va être ceux qui vont dévaloriser certains types, certaines choses que je ne comprends pas. Notamment, dévaloriser les petits galops. Voilà, enfin quand je dis petits galops, c'est par exemple les galops inférieurs à celui que toi tu as. Je vois pas le rapport en fait. T'es bien passé par ton galop 1, t'es bien passé au moment où tu savais pas faire un départ au galop du pas, par exemple. Donc voilà, et puis je veux dire, c'est pas par exemple que toi tu as passé 3 galops en un an, que tout le monde doit, il y en a, ils mettent beaucoup de temps à prendre les bases en équitation. Bah, c'est pas grave, ça se trouve, ils vont mettre énormément de temps à passer par exemple les 3 premiers, et après ils vont avoir une progression fulgurante. Voilà, chaque personne, et puis après ça dépend aussi des chevaux qui montent, des cours, des tout ça, donc tellement de facteurs de progression différents que voilà, il n'y a pas de normes. Ensuite du coup, ceux qui sont pro-loisirs, il y en a qui ne veulent pas faire de compétition, qui veulent vraiment monter une fois par semaine, faire de la balade de carrière ou ce genre de choses là, bah en fait je vois pas pourquoi il faudrait les dévaloriser, chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de faire des tours de carrière au pas et au trot, tu fais des tours de carrière au pas et au trot. Tant que tu maltraites pas ton cheval, que voilà, que, enfin, les règles de base, bah, si t'as envie, fais. Ou si t'as envie de sauter 30 cm et de sauter que 30 cm, vas-y. Ou alors si t'as pas envie du tout de sauter, bah, fais que du dressage ou que de la balade.
Ça, c'est un truc. Et je ne comprends pas les gens qui vont dévaloriser ces personnes-là. Elles t'ont rien fait, en fait. Genre, voilà. Aussi, dévaloriser ceux qui redescendent de catégorie. Je m'explique. Je m'en étais pas rendu compte avant que ça ne m'arrive en quelque sorte. Avant, je montais Miss en CSO Club 1. Et pour plein de raisons que je vous parlerai prochainement dans une vidéo dédiée, ma prof m'a proposé de redescendre en catégorie Club 2. Mais la façon dont elle me l'a dit, elle a pris des grosses pincettes pour me demander, enfin, de me proposer de redescendre de catégorie. Donc moi, tout de suite, j'accepte, puisque on a des difficultés, tout ça, je vous en reparlerai dans la vidéo. Et du coup, je dis, oui, ça peut être la solution pour régler nos problèmes. Ça sert à rien de continuer d'avoir des gros échecs sur la Club 1, sachant que ça peut devenir dangereux, notamment pour le physique de la jument et ainsi que pour son mental. Donc, pas de problème, on redescend en catégorie le temps qu'il y a besoin. Et en fait, elle a été surprise que moi, je n'ai aucun problème à redescendre de catégorie, puisque je me suis aperçue que beaucoup veulent monter, donc ils montent. Mais par contre, ils ne veulent pas redescendre. Je ne comprends pas. Que tu ne veuilles pas redescendre, par exemple, tu aies fait une élimination, que tu ne redescendes pas. D'accord, ça, bien sûr, tu montes de palier, tu échoues, tu continues. Arrivé au bout d'un moment, si par exemple ça ne va pas ou quelque chose comme ça, si par exemple, rien d'un un des critères de pourquoi je suis redescendue, pardon. La jument prend 19 ans cette année. Rien que ça. Pour moi, c'est un bon critère pour redescendre de catégorie. Et de ne pas aller user la jument jusqu'au bout, mais dire, je fais de la Club 1. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose plus... Il faut toujours que tu ailles au plus loin. Quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas dans la même centre-casse que toi, ils vont dire, t'as quel galop? Tu sors en concours? Quelle épreuve? Mais par exemple, tu peux avoir ton galop 6 et vouloir sortir, par exemple, un cheval vert dans le travail en Club 3. Enfin, c'est quelque chose, et je ne comprends pas le fait de ne pas vouloir redescendre de catégorie. Pour moi, il n'y a pas de honte à redescendre de catégorie. Et voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas, comme tout le reste en fait, pour être honnête. Et aussi une dévalorisation, et ça je voulais en parler mais en toute petite partie, parce que ça aussi on pourrait vous en faire toute une vidéo. La dévalorisation des races. Une race n'est pas moins bien qu'une autre. C'est sûr que des races sont plus faites pour certaines disciplines. Mais ça n'empêche en rien une autre race de faire la discipline qu'il veut en fait. C'est sûr par exemple qu'on va pas retrouver, je sais pas, admettons un pur sang arabe en CSO professionnel. Mais c'est pas grave, il y a des pur sang arabes qui sautent très bien. Il va y avoir par exemple des selles français qui sautent pas une cacahuète. Ou alors par exemple des KWPN d'origine de dressage par exemple qui ne vont pas dresser. Alors que tu vas avoir un petit ONC qui va dresser de fou. Et ça c'est le genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a deux races, vraiment deux, qui se font victimiser de cette dévalorisation. C'est les pur sang, donc notamment anglais, et les trotteurs. Comme quoi, c'est que des chevaux faits pour courir en ligne droite. Et c'est de la MERDE. Et ça, je ne comprends pas. Surtout quand c'est des personnes qui ont un niveau club petit amateur. Je ne comprends pas. À la limite, les trotteurs, il y en a moins en amateur. Il y en a beaucoup niveau club. Mais si toi, tu fais de la club 2. Il y a des trotteurs qui font de la club 2. Moi par exemple, avec une trotteuse de club, de centre équestre, j'ai sauté les 130. Alors que de base, c'est une jument, le centre équestre l'a acheté pour faire la balade. Donc par rapport à ça, les races, il n'y a pas à être dévalorisé. Si tu veux faire du haut niveau, quelque chose de très spécifique, là, à la rigueur. Mais je vois plein d'annonces des personnes qui recherchent, je crois que le pire c'est qu'ils recherchent des chevaux de balade ou de loisirs et qui ne veulent pas de trotteurs ou de pur sang. Je trouve ça. Parce qu'après, il faut faire un tri aussi dans les races. Hein. Il y a des trotteurs qui, du coup, auront énormément de mal toute leur vie pour bien galoper. Et il y a des trotteurs
qui sont bien mieux dans le galop que dans le trot. Par exemple, moi, celle que je montais en centre équestre, elle n'avait rien d'une trotteuse. Elle faisait tout au galop, elle préférait le galop. Au trot, en plus, c'était pas une allure où elle était très bien, en quelque sorte. Donc, pour le coup, voilà. Faut pas discriminer certaines races au profit de d'autres, en fait. C'est comme les personnes, quand ils achètent des chevaux, qui mettent, par exemple, pas de gris, pas de pie, pas de ceci, pas de cela. Mais la robe, ça change rien. Si t'as juste la flemme de frotter parce que ton cheval gris est marron, bah tu peux passer à côté d'une pépite juste parce que t'avais la flemme de brosser. Mais voilà, je vais arrêter de cracher mon venin en quelque sorte. Pour le coup, ça fait du bien de critiquer toutes ces personnes qui elles-mêmes aiment bien critiquer. Alors pour le coup, ça fait très contradictoire avec ce que je dis. Mais pour le coup, voilà, j'assume clairement, j'ai critiqué tous ces types de personnes-là. Sans forcément viser quelqu'un, hein, puisque je n'ai pas quelqu'un dans la tête par rapport à ces trucs-là, surtout quand ça se passe sur les réseaux. Moi, je regarde, c'est des pseudos, mais je passe, voilà, je passe à la vidéo suivante. Mais voilà, j'avais envie de vous sortir ce que je n'aimais pas dans les mentalités en équitation. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et pourquoi? En commentaire, qu'on puisse parler de tout ça. Et donc, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!